Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai réussi à affiner le bas de mon visage. Faut savoir que j'ai toujours trouvé que mon visage n'était pas assez fin, mes traits n'étaient pas assez marqués. Et même en dessous, au niveau du double menton, j'en avais un peu. Donc j'ai commencé à faire un challenge que j'ai trouvé sur YouTube. J'ai fait ça pendant 2 semaines, tous les soirs, au moment de me démaquiller, etc. Parce que j'avais un peu 10 minutes à perdre. Donc je vais vous montrer ce challenge. Je vous préviens tout de suite, je vais peut-être avoir l'air débile en train de faire ce challenge. Mais je vous promets que ça marche. Donc c'est pas grave, au moins je vous donne le link au vous les suivez si vous voulez et tout est bon. Pour le premier exercice, vous devez coller votre langue au palais et ensuite relâcher, donc redescendre la langue, et vous devez faire ça en continu pendant 1 minute.
les exercices pour la mâchoire sont terminés. Et maintenant, on va utiliser un outil. Ça, vous pouvez clairement en trouver partout. C'est un roller donc pour faire des massages au niveau du visage. Et donc après avoir fait les exercices pour affiner en contractant les muscles, j'utilise ça. Donc je fais 2 minutes sur chaque côté, au niveau de ma joue, au niveau de la mâchoire, un peu sous le menton aussi. Essayez d'appuyer légèrement, pas trop non plus, mais légèrement. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous réussirez à affiner votre visage. J'ai eu le résultat final, le résultat que je voulais en 2 semaines, mais les premiers résultats ont commencé à apparaître au bout de 4 jours à peu près. Mais voilà, en tout cas le seul conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est soyez régulier, essayez de faire ça tous les jours et de bien faire proprement les exercices, toujours en contractant la mâchoire, en contractant tous les muscles. Et donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.